On est chaud, on est patate. On va Alors, jouer pour à ceux qui la vont quiz. regarder cette vidéo, nous sommes actuellement avec Tidou. Et on va jouer à Ghost Recon, donc le mode multijoueur. Donc là, on est en train de rechercher une partie. Et on va vous proposer donc une vidéo découverte avec deux points de vue différents, deux bonhommes qui parlent. C'est une première sur xboxlive.fr. Et après... La magie de la technologie. C'est ça, la magie de la technologie. Alors, par contre, du moi, coup... Moi, je peux prendre une amélioration. Mais je ne sais pas... J'ai déverrouillé le spécialiste aussi. J'ai déverrouillé... Enfin, il y a un truc que j'ai compris, c'est que pour déverrouiller une nouvelle arme, il faut que tu passes un cran sur ta spécialité. Donc là, moi, j'ai déverrouillé assaut. J'ai déverrouillé assaut une première fois. Et du coup, j'ai eu des nouveaux jetons pour déverrouiller encore assaut. Et j'ai eu le AK-47. Comment tu débloques des Par crans, contre, du coup? Ouais. Avec des jetons, là, les jetons que tu récupères en fonction de ton niveau. Hop. Du coup, j'ai pris assaut. J'ai pris le... Ah non, c'est pas le AK-47, c'est le AK-12. On verra bien ce que ça donne, de toute façon. J'ai débloqué les lunettes thermiques qui ont l'air totalement cheatées, mais je joue au classique. Ouais, on verra bien. Je sais pas ce que ça donne, le AK. Version moderne et agressive de l'AK-47. Bon, ça va, c'est agressif. C'est bon. Ça me va. Alors, nous sommes avec des gens. Il y a top 4, niveau 17 et niveau 18. En face. Donc, ouais, alors le... Un peu chiant, c'est que... Localiser et neutraliser toutes les forces d'ennemis sur Zos. Alors, je tiens à m'excuser d'avance des grossièretés et autres noms d'oiseaux que Étienne Tidou va nous dire pendant cette session. Parce que vous remarquerez au fur et à mesure de la vidéo que Étienne est ultra grossier comparé à moi qui suis très modéré. Exactement. Je n'aurais su mieux dire. C'est ça, hein. Je pense que ça résume bien la situation. Hop. Là, par contre, on s'est pas coordonné. Je suis derrière toi, Étienne. Ouais, mais de nuit, là, sous la pluie, ça va être... Je suis derrière, je suis dans ton dos. Le d'observation. Ah putain, t'as vu, il y a des mines qui ont été posées sur ta gauche. Vous remarquerez que le premier gros mot était dit par la guise de mine. Contact. J'ai dit quoi? Ennemi repéré. Putain, j'ai déjà dit un con. Putain. Attends, y a un mec. Oh, même pas compte. Ouais. Attends. Essaye de te concentrer déjà. L'ennemi fait du bruit. C'est plutôt pas mal si vous pouvez pinguer. Avec l'équipier. Là, il y a un mec, mais je sais pas s'il va aller voir. Il vient vers toi, il est en face. Je reçois un signal de la tour d'observation. Elle sera bientôt opérationnelle. Attention, là, je suis heureux. Plein dedans. L'ennemi fait du bruit. Le foufou, là. Ah, il y a un pote qui s'est fait... Il est où? Ah ouais, il est en face. Ah non, il est pas en face, il est où? Il est derrière. Mais il y a l'autre allié qui est à côté, donc ça va le faire. Je continue à avancer. Faudrait à la limite aller à la tour. Ouais, elle arrive plus loin. Merde! Putain, j'étais en train de regarder où t'étais, et putain, le mec il est avancé tranquillement devant moi. Et, genre, c'est de la chatte. Bon, je pense que le HV05 il est AFK. Il bouge pas. J'ai la tour en visite. Bon, écoute, je vais essayer d'aller réanimer Jean-Paul parce que là, HV05. Ils sont combien encore là? Ils sont deux. Ils sont deux.
Deux, il y en a un qui a été marqué. T'es où toi? T'es là-bas. L'ennemi a posé du C4 dans la zone. Ouvre l'œil. Il y a des explosifs partout. Fais chier. Oh, là, j'ai chaté. Ah non! Ah le bâtard. J'ai tout cassé. Putain, tu fais chier. Elle a posé du C4 sur le corps de ça. Sur le mec? Merde, que quelqu'un l'aide. Il ne reste plus. Ah putain. Génial. Je sais pas pourquoi, mais je le sens gros comme une maison. Bon, moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais mis du C4 de nouveau sur les corps. Ah. Hitman est parti. Tais-toi. Attends, tais-toi. Merde, putain. Il est où? Je l'ai entendu courir. Chier. De toute façon, là, t'as deux choix. Soit tu campes la tour, parce qu'à un moment, ils vont la déclencher. Ils sont quatre, là, ils vont partir. Putain, fais chier, sa mère. Ah, c'est bon, j'en ai vu un. Là, c'est 4 easy. Attends. En face de toi. Ah ouais, c'est bien. Grenade. Merde. Ah merde, j'ai pas le temps de bouger. C'est pas assez intuitif encore pour moi le gameplay. Voilà. C'était bien. Donc là, on a non, perdu. C'était tout bien. On va arrêter c'était cette vidéo tout pour tout de suite. C'est ça. On va tout de suite. On va tout de suite en relancer une nouvelle. Ni vu ni connu. Alors, vous avez plusieurs classes. Ah, voilà, vous voyez, c'est différent. Ranger, donc je ne peux pas prendre Ranger. C'est un système qui permet de ne pas avoir de doublons dans l'équipe. C'est plutôt pas mal. Non, mais je prends les Ranger. Ça rappelle un petit peu Rainbow Six Siege avec ses agents et For Honor avec ses héros. Ouais, de toute façon, ils n'ont pas inventé la poudre, hein, c'est toujours la même chose. Oui. Voilà, notez et... cette belle petite phrase. Je sors des expressions un peu toutes pourries tout le temps, donc. Je réfléchis à. On fait quoi du coup? Eh ben, on joue. Quelle question? D'accord, super, merci, Tidou. Non, bah, écoute, ça t'a plus. Je suis la ligne jaune. Alors voilà, pour tous ceux qui joueront contre moi, je suis toujours une ligne jaune. Croyez-vous comme ça, rejoignez votre étoile. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelques blagounettes en commentaire sur la ligne jaune? Ouais, c'est ça. Alors attention, il y a MPX Wolfpack là qui est chaud patate, il est à 200 mètres. Ah, il est sur le toit. Tu le vois là, il marche. Non, je vois rien. J'ai un putain de tank qui n'arrive même pas à shooter un mec à 300 mètres. On va faire tout le tour, gentiment. Non, je pense que c'est pas ça, la même ça. Idée. Ça, il a posé une mine. C'est pas un capteur de mouvement. Où ça? Ah, c'est possible. Je suis marqué.
Ah, t'as vu où ils sont? Oh là 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 là. En arc, on aurait dû peut-être prendre des snipes. L'ennemi fait les. Allez, les alliés là. J'ai repéré un drone ennemi. Il y a de l'activité ennemie, donc je marque la position. Je reçois un signal de la tour d'observation, elle sera bientôt opérationnelle. Ennemi à terre. L'ennemi fait du bruit. Tu peux pas le détruire du coup leur truc là? J'en sais rien, je sais pas où il est. Il y a de l'activité ennemie. Il était en haut, juste à côté. Ah bon? Ouais, j'ai pas fait gaffe. J'étais concentré sur les ennemis. J'avoue. Là, théoriquement, il peut me voir, le mec. T'es par terre? T'es comment, toi? Tour d'observation à nouveau opérationnel. Contact. Tout nu. Activité ennemie repérée. Allons, on va sur lui. T'as rangé ça. C'est bien. Ça a mis du temps. Alors, faut pas que je dise trop de gros mots parce que 34. Il l'a relevé son pote du coup. Ouais, c'est ça, il l'a relevé, donc ils sont à l'intérieur. Allez, viens, 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 viens. Contact. Activité ennemie repérée. Tiens, un PD va. Pardon. J'ai dit un gros drone ennemi. Attention à un drone. Là, je suis marqué. Ils m'ont marqué. J'ai rompu le visuel avec l'ennemi. Avec l'ennemi. Oh, grenade, ils arrivent. Ah merde, dans mon dos. Oh putain. Mais quelle campeuse. Mais quel idiot j'ai été. Il est dans l'escalier. Il est à ta gauche de l'escalier là. Arrangez ça. Ah, bien joué. Vas-y. L'ennemi fait du bruit. Ah, on va mourir tous les deux! T'es mort toi? Pas de tournée. Ça s'appelle avoir du bol parce que au moment où tu m'as réanimé. Ah, j'aurais dû! Ah ouais, le mec est niveau 28. Il est chaud. Allez l'allier. Ah bah alors là, je pense que. C'est du 1 contre 2. Ah, mais j'ai merdé parce qu'en rentrant direct, je me suis pas posé la question, je pensais qu'il était sorti. Et je suis allé m'obstiner à essayer de casser le bip là. Alors que je rentrais, je lui tirais dessus. C'est bon. J'ai été nul. Là, sur ce coup-là, j'ai manqué de. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Écoute, ça arrive souvent de. Ouh là là, un contre 4. Bon, ben, ça sent. C'est lui qui est niveau 28? Putain, mais il fait quoi? Non, mais je rassure que quelques parties que je faisais où il y avait un niveau 47, il était planqué dans un coin, il faisait rien. Ah, ce qui est regrettable, c'est de tomber sur des niveaux, des trois niveaux qui ont plus d'équipement. Ça, c'est pas. Ouais. La vision thermique est en train de fumer. Ah ouais? Oula! Oh, il est mort. Ah non! Il s'est fait tuer. Non, je suis pas sûr. Je crois qu'il a dit. Défaite. Ouais, Est-ce qu'on s'en refait une? Bah oui. On continue.
Merde, qu'est-ce que... Oh, mais non. Qu'as-tu fait? Oh, mais non. Oh, je suis allé sur Internet Explorer. J'ai appuyé un peu sur tout. Ouais, ouais, j'ai appuyé un peu sur tous les boutons. Du coup, ça m'a ouvert Internet Explorer. J'étais un peu... Ah bah bravo. Alors, niveau 28 est toujours là. Ah, c'est bien, ils ont un peu mélangé les... Ils remélangent les équipes, en fait, à chaque partie. Et donc, une partie se joue au meilleur des trois manches. Donc, en gros, c'est le premier à 2 points qui gagne. En BO3, pour les adeptes de StarCraft. Quelle culture. Ah, oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que... Prendre jeu. Ah merde, c'est... du coup, je peux pas prendre assaut. Oh, le chiot. Alors, base du désert. Ah, j'ai pas regardé, c'est quoi comme map? Base du désert, un petit peu. Faut le sniper ou pas? Je sais pas, j'hésite si c'est... Je crois qu'il y en a qu'une dans le désert, non? C'est vrai qu'on avait déjà... Je pense celle-ci. De toute façon, sniper, c'est pas pour moi. Localiser, neutraliser toutes les forces d'ennemis. C'est fait exprès ou... En tout cas, c'est joli le rocher éclairé là comme ça. Ah, ça m'a ému. Tu veux, tu veux tu me donnes la main, on va aller se promener. Allez. Par contre, j'ai peur. C'est de l'orage. Et oui. Je suis là, toi. Ah, si. Allez, on suit les lignes jaunes. La vision de toi. Mais je trouve qu'on va tellement mieux sans vision nocturne. Eh, j'ai oublié, j'ai pas mon drone, moi. Il y a de l'activité ennemie, je marque la position. Donc il est par là. Est-ce que je peux monter sur ce rocher? Je reçois un signal de la tour d'observation. Elle sera bientôt opérationnelle. Je m'approche du square là. Ok, je le vois là. Il approche. Allez bien, amène-toi, chérie. Ah bah, je suis fait kiffer. Merde, que quelqu'un l'aide. Ennemi à terre. Brague lancée. L'ennemi fait du bruit. Il ne reste plus. J'en ai eu un. Allez. Moi, je fais pas le malin parce que... Ils sont deux. Mais qu'est-ce que t'es allé te faire sur ce rocher là? Oh mais putain. Non. Du genre, tu crois que je vais pouvoir t'aider comme ça là? Allez, debout. C'est le meilleur endroit pour se faire sniper, mais bon. Je vais aider l'autre. Tu surveilles. Non, je vais aider le nom. Et tu vas. Et tu surveilles le cadavre de l'autre là. Ah putain, c'est ça que je voulais pas. Mais les mecs. Oh là là. Putain, je vais me faire dézinguer moi. Je vais t'arranger ça. Ah. Hé, Étienne, t'étais pas censé les surveiller? Je
je sais ce que je fais, je l'ai marqué là, le mec. Ah, super. Bon, je vais aider Gustave là, qui est en face là. Top 4 qui se rapproche. Elle est là. Ah putain de sa mère! Oh, c'est aveugle. J'envoie une fraille, trouve ça, tu con. J'en ai eu un. Non, c'est rien. Activité ennemie repérée. Je suis marqué, il est parti. Vite. Non! Mais j'ai mis à terre! Oh putain. J'ai menti. Le mot interdit. Ah, dans mon dos! Ah là 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 là! Ah! Note pour moi-même, ne pas aider les autres. Deux contre un là, allez là, faut pousser. Le mec est mort déjà deux fois, tu sais. Allez. Bande de bites. Je vais venir te réanimer. Remarque, il est tout seul le mec. Ouais, ça pétait la tour d'observation. Ouais. Voilà. En espérant que les mecs ils me protègent, mais j'y crois pas trop. Allez, vite. Il est sur mon cadavre. Un petit microfilm. Je reçois un signal de la tour d'observation, elle sera bientôt opérationnelle. Drague lancée. On va faire stresser un coup là. La frag. Putain, j'ai plus de balles. Merde, j'ai plus de. Oui. Si. Possible. Ah là là là. Donc vous remarquerez quand même que c'est Étienne hein, qui, Tidou, dit le plus de gros mots. Je tiens à le préciser. Exactement. Non mais j'aime pas jouer sous la pluie et de nuit. N'aime pas. Bon, je garde. Allez, cette on reprend le jeu, on est chaud patate. M va bien. On aime le zizi. Tu sais qu'il y a des enfants quand même qui peuvent nous écouter, hein, des gens de moins de 18 ans. Tu le sais ça quand même. Ghost Recon Wildlands, il y a l'avant, moins de. Je vais regarder ça tout de suite. Je pense que ça doit être les moins de 18, mais. Ouais, quand même, ça c'est vieux. Hein. Allez, dépêche-toi de regarder ton écran. On est reparti. Moins de 16 ans, en fait. Ah ouais. Il y a quand même du sang, il y a quand même des scènes un peu sport quand même. C'est vrai qu'il y a quelques passages. Ouais, c'est bien crâne. Hein. Drone ennemi. Ah, mortier à peu près. Ah, les mortiers là. Ah, ça c'est efficace. Là, c'est quoi la zone bleue du coup? On va voir ce que c'est. Le regard. Sur ta droite. Merde. En face de toi. Je vois. L'ennemi fait du bruit. Je reçois un signal de la tour d'observation. Elle sera bientôt opérationnelle. Elle compte pas sur les autres pour t'aider. En plein dedans. Attention, elle brûle. Ah bah ouais. Dégage, Étienne. Attends.
toute façon, j'ai un avantage, moi, si on marque, je vois direct qu'il est avec ça. Drone ennemi déployé. Ah, il y a le mortier. Là, ça craint. Ah mais c'était pas le bon. Non. Alors, attends, 3.4, ça veut dire que j'ai plus j'ai tiré avant. Ouais, c'est ça. Et c'est là. Oh non, j'étais en train d'amputer. Enfin, oui. Il est mort. Allez. Qu'est-ce que c'est? Il arrive, je te soigne. L'ennemi recueille des insectes sur nous. Arrête de chouiner. Putain de merde, j'ai bien mordu. Reste un ennemi. Finis le travail. Il est où? Il y a des mines antipersonnelles dans le coin. Il a été repéré? Oh! Ah, oh, j'ai plus de balles! Oh la loue! Il est là! Allez! Oui. Bien joué! Bon, bah, j'ai rien fait sur cette partie! Nous allons peut-être couper cette vidéo ici, parce que nous en sommes à 27 minutes. Ouais, c'est plutôt pas mal! On va refaire une autre. Bon, pour ceux qui ne regarderont pas la suite de cette vidéo, on vous dit à plus tard.